États-Unis. Allez. L'histoire de la nuit, cet enfant de 5 ans arrêté sur l'autoroute, tenez-vous bien, au volant de la voiture familiale. C'est la police. 5 ans. 5 ans. C'est dans l'Utah. La police a publié la vidéo tournée sur l'autoroute. On y voit. C'est lui qui conduit ? Un SUV, oui, c'est lui qui conduit. Le SUV zigzague avant de s'arrêter sur la voie de gauche. En arrivant à hauteur de la portière, le policier est surpris de ne pas voir la tête du conducteur. Faut dire que du haut de ses 5 ans, le petit garçon distingue à peine la route derrière le volant. Il explique au policier qu'il a piqué les clés de la voiture de sa maman car celle-ci a refusé de lui acheter une Lamborghini. Il était très en colère. Il a donc décidé de partir tout seul en Californie pour acheter le bolide de ses rêves. Il risquait d'être un peu court, dit la police, car il n'avait que 3 dollars dans ses poches. Et fort heureusement, il n'a causé aucun accident sur les 3 à 4 kilomètres qu'il a parcouru avant d'être arrêté.